Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le pump track de Xertini. Ce pump track a été créé par Bike Solution et est composé de trois pistes de niveaux différentes. On commence directement par une ligne bleue pour un niveau intermédiaire, puis d'une ligne rouge pour les niveaux confirmés. Puis entre les deux, on a une petite ligne noire plutôt sympathique avec une grosse table au bout. Le pump track est vraiment bien foutu comme vous pouvez voir. Et je vous propose d'aller essayer ça tout de suite. Je vais commencer par vous faire un petit tour de chaque piste en commençant par la bleue, la rouge puis la noire pour bien vous montrer un maximum comment est le pump track. Il est encore pas mal humide, mais j'espère que ça va sécher dans l'après-midi. Voilà pour le petit tour de chaque piste, j'espère que j'aurai bien pu vous montrer comment est chaque piste et que vous pourrez bien voir à quoi ça ressemble. Je me suis défoncé la hanche par contre en glissant de ma pédale tout à l'heure, ça déconne, mais c'était trop mal. Mais je vais essayer de me réchauffer en vous montrant quelques petits transferts à faire sur la piste. On a vraiment pas mal de transferts sur cette pump track et franchement j'ai un peu la flemme de tous vous les faire. Ce qui se ressemble un peu sur cette première ligne par exemple, vous voyez, on peut voir les transferts des... De la rouge à la noire, de la noire à la bleue, de la bleue à la rouge. Enfin voilà, ça part un peu dans tous les sens. Sur cette table aussi, il y a des hips un peu partout. Un transfert ici. Enfin là, je vais vous en montrer quelques-uns quand même. Voilà pour les transferts, c'est à peu près tout ce que j'ai pu trouver. Je suis sûr qu'il y en a d'autres à faire. D'ailleurs, il y en a un juste là qui est un peu fat pour moi. Donc j'attends qu'il y ait des gens qui arrivent. J'espère qu'il y a des gens qui vont arriver pour le tenter. S'il n'est pas dans la vidéo, c'est que je me suis chié dessus. A savoir que ces deux virages là, ils sont bien relevés, bien kickés. Donc pour sortir et essayer de faire des tricks, c'est bien sympa. Je vais essayer de vous en montrer quelques-uns à mon niveau, bien sûr. C'est parti. Maintenant, je vais essayer de vous faire un maximum de manual sur chaque ligne. On va essayer ça. C'est parti. Après tout manual, j'aimerais bien faire tout manual, posé, sautable. Et voilà,
c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous aurai bien montré comment elle pump track. En tout cas, moi je le kiffe, il est vraiment top. De toute façon, Bike Solution, ils me déçoivent jamais. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.